Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo mode. Elle s'intitule comment choisir ses bottines et comment les porter. Alors c'est parti. Il faut savoir que les bottines ne vont pas à tout le monde. Alors on va faire la part des choses entre les jambes fines et les jambes fortes. Alors, quand je parle des jambes fortes, c'est pour celles qui ont les mollets et les chevilles plutôt épaisse et qui galère un petit peu à trouver chaussures à leurs pieds. On va commencer déjà à savoir quoi choisir. Alors, pour les jambes minces, tout leur vaut. Donc, que ce soit les bottines plates, les bottines à talons, les bottines compensées, les lacets, les coupées, tout ce que vous voulez, ça va. Pour les jambes un peu fortes, alors, les bottines, c'est pas le mieux. Ça coupe votre jambe et ça attire le regard sur cette région un peu forte qu'on veut pas mettre en valeur. Donc je vous conseille d'opter plus pour une botte. Comment porter les low boots? Pour les jambes minces, les low boots vont avec tout. Les jupes, les shorts, les slims, les robes, les pantalons, ça va avec tout. Pour les jambes un peu fortes, si vous adorez les bottines et que pour vous c'est impensable de ne pas en avoir, ce que je peux comprendre, optez pour des pantalons. Prenez les bottines qui vous plaisent. Alors, du moment que le pantalon recouvre la bottine, c'est le plus important. Donc les must-have, ce sont les bottines que vous devez avoir. Alors, moi je vais vous présenter une petite sélection de bottines que j'ai à la maison, mais je ne les ai pas toutes, je n'ai pas tout ce qui se fait. Je vous décrirai un petit peu les modèles qui se font en ce moment, que je n'ai pas parce que j'ai plus de place dans le placard. Donc puis bon, voilà, j'opte pour des choses un peu plus simples, un peu plus passe-partout pour être sûr que ça aille loin dans le temps. Voilà, donc le premier must-have, c'est la bottillon Chelsea. Donc c'est celle-ci, et donc elle est élastiquée sur les côtés, et elle va avec vous, donc élastiquée sur les côtés, zippée à l'intérieur. Donc celle-ci, c'est une des bottines Chelsea que je mets tout le temps avec mes noirs. Les noirs, je les ai pas sortis parce que du coup ça allait me faire une quantité folle, mais donc vous imaginez celle-ci en noir et c'est les mêmes, sauf que les noirs, j'ai un élastique à ce niveau, un élastique à ce niveau, je n'ai pas de zip, et celles-ci elles ont un zip. Donc voilà pour les Chelsea, premier must have. Ensuite on a d'autres bottillons qui se font, donc tout ce qui est bottillon agrémenté de zip, d'imprimés, les bottillons avec des lacets, des bottillons découpés, vous savez les bottillons où sur le côté de la cheville vous avez le bottillon découpé, il y a des lanières qui passent entre croisées, donc c'est ça, et le bottillon à talons ou à talons compensés. Alors le bottillon, donc là je vous ai montré le Chelsea, donc j'ai d'autres bottillons à vous présenter. Donc moi j'ai des bottillons un peu plus donc je vais avoir ceux-là. Ça c'est un bottillon semi-plat parce qu'on a un petit talon d'un peu plus de 5 cm, voilà, sauf que là j'ai un talon caché à l'intérieur et il est super sympa. Et donc dans l'esprit, on est dans un esprit un peu bohème et un peu hippie chic, et du coup bah j'ai la petite frange sur le côté et j'ai le zip là. Et ça, vous en trouvez de partout, de ce style ou d'autres styles. Vous en trouvez de partout et de toutes les couleurs. Vous voyez? Donc voilà pour un second must-have. Ensuite, un troisième must-have, c'est les bottines à talons. Donc les bottines à talons, donc moi celles-ci, voilà, sont façon Chelsea, celle-là. J'ai un élastique sur le côté, caché. Et j'ai un talon assez carré et épais. Donc
Ça, voilà, c'est les genres de bottines que vous pouvez trouver de partout. Et là, vous avez des bottines qui ont des zips, qui ont des chaînettes, qui ont des brillants. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui se font en ce moment. Donc comme vous pouvez le voir, moi, c'est des choses plutôt simples parce que j'aime bien mettre de la fantaisie dans mes vêtements. Donc au niveau des chaussures, je me la joue cool. Mais si vous êtes plutôt classique et que vous avez envie de vous amuser avec vos chaussures, allez-y. Ensuite, je vais avoir celles-ci qui font dans un esprit assez cow-boy, mais avec des paillettes. Vous voyez? Donc ça aussi, les paillettes, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Donc voilà, moi ma petite fantaisie, je l'ai mise là, sur une des paires de bottines. Et celles-ci, elles sont sympas. Donc que ce soit en cuir, en nubuck, en imprimé, peu importe, la bottine, elle est sous toutes les formes. Et ensuite, je vais vous en présenter trois autres. Donc, la bottine compensée. Alors, le compensé aussi, c'est un indémodable. Voilà. Donc, moi, c'est une forme Chelsea. D'accord? Et du coup, j'ai plus qu'à glisser le pied et c'est parfait. Donc, moi qui suis assez une femme, qui suis une femme pressée, c'est génial. J'ai une autre bottine compensée qui est assez sympathique. Donc, là, celle-ci, je la mets en ce moment. Donc, c'est une bottine ajourée. C'est parfait pour l'été indien. Et elle est découpée devant, avec un zip derrière. Voilà. Donc ça aussi, puisque on est dans la période de la fin d'été, début d'automne, du coup, voilà, c'est des matières qu'on voit souvent. Voilà. Et pour terminer, la petite bottine, le petit bottillon, le low boots, à talons, avec une plateforme. Voilà. Donc là, celle-ci, plus simple, il n'y a pas. Et ça, c'est un passe-partout. Voilà, mesdames. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout va avec tout. Il faut juste veiller à ce que la tige de la bottine ne soit pas trop haute pour qu'elle ne coupe pas la ligne de votre jambe. Et puis, ça évite aussi que ça vous tasse trop la silhouette. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Elle s'achève ici. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!